Êtes-vous prêt à prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un à notre époque? De plus en plus de gens choisissent encore de juger une personne d'après son apparence. N'est-ce pas? Oggy est un jeune garçon né avec une malformation congénitale. Il a subi 27 opérations chirurgicales à sa naissance, ce qui a entraîné une défiguration du visage. Oggy a donc peur d'interagir avec les autres. Les passants le regardent avec des yeux aussi aiguisés que la pointe d'un couteau. Le seul moyen pour lui de sortir était de porter un casque spatial. Mais sa famille n'a pas abandonné Oggy. Elle l'a encouragé à aller à l'école et à rencontrer des gens. Il ne voulait pas seulement le protéger. Il voulait qu'il grandisse. Les parents ont confié au directeur d'organiser 3 camarades de classe pour prendre soin de lui, dans l'espoir d'aider Oggy à s'adapter plus rapidement à l'école. Cependant, lorsque les enfants voient Oggy comme une personne différente, ils parlent à tort et à travers. Ils se sont moqués du visage d'Oggy et se sont ligués pour le tenir à l'écart. Son premier jour d'école est un échec. Il taquine Oggy sur son visage et se ligue contre lui. Sa mère est patiente et réconforte le petit homme. Sa mère a même abandonné son rêve d'illustratrice pour s'occuper de lui. Son père, bien que toujours un peu farceur, a également contribué à maintenir l'humeur d'Oggy. Sa sœur est une bonne fille et ne se plaint jamais que ses parents soient toujours autour d'Oggy et ne s'occupent pas d'elle, parce qu'elle aime aussi son frère.